À la primature, une audience a été accordée au directeur Zone Afrique du groupe Olam. L'audience a porté sur l'accroissement des investissements de ce groupe dans notre pays. Le point avec Alvar Assa. Le groupe Olam, spécialisé dans l'agroalimentaire, veut augmenter ses investissements en Côte d'Ivoire. Son directeur Zone Afrique est donc venu s'entretenir avec le premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio sur la question. On est bien implanté ici à Côte d'Ivoire. On fait beaucoup de travail, mais c'est toujours le support. Monsieur le Premier ministre nous accorde son support pour nos idées, pour investir dans le pays. C'est agroalimentaire, le cacao, le café, le riz, le coton. On est beaucoup de le cajou. Ce groupe déjà basé dans des localités comme Boaké et plusieurs villes du nord du pays veut s'installer dans d'autres régions et offrir des emplois à la jeunesse ivoirienne.